Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, bonjour. Bonjour aux Marmandaises et aux Marmandais qui nous regardent en direct pour cette troisième conseil municipal de la mandature. On va désigner un secrétaire de séance, si vous voulez bien. La dernière fois, c'était M. Charles Sillière, dont je demande à M. Sorin s'il est d'accord pour être secrétaire de la séance. Il est d'accord, je le remercie. Nous avons reçu plusieurs pourvoirs. Celui de Mme Karen Nosmas pour Mme Emmanuelle Marchand, celui de Mme Maud Caruel pour Mme Dominique Martin, celui de M. Patrick Cardois pour Mme Muriel Figuera, de Mme Françoise Verdier pour Mme Laureline Roch, de M. Alain Pascal pour Mme Valérie Guilbault, de M. Pierre Ferrit pour M. Jean-Claude Ferrit et de M. Stéphane Francis pour M. Pascal Portman. Mme Ballereau avait annoncé. Donc, a priori, donc Madame Ballereau a un pouvoir pour vous, Madame Calzavarin. Voilà, pour Madame Calzavarin. Oh, vous pouvez laisser. D'accord, merci. Bien, le quorum est atteint. Nous pouvons valablement siéger. Pardon. L'ordre du jour que vous avez reçu est pour la désignation des membres aux quatre commissions municipales qui ont été déterminées au dernier conseil et enfin les questions diverses habituelles. Donc, comme il vous a été précisé dans la note préparatoire, nous devons fixer le nombre de participants de chaque commission, commission 1, 2, 3 et 4. Alors, je vous propose de commencer par la commission 1. Et ensuite, nous continuerons, nous voterons pour le nombre de participants, puis les participants, et ensuite on passera aux autres commissions. Oui, Madame Calzavarin. Vous pouvez, mais je ne vous entends pas bien. Il y en a un juste à côté de... Voilà. Oui, merci beaucoup. Oui, je voulais simplement intervenir en ce début de séance pour relever le fait que la convocation nous a été délivrée par la police municipale à 21h par écrit. Alors, je comprends bien que c'est parce que pour être légalement dans les clous, entre guillemets. Mais si vous voulez, je pense que la police municipale a autre chose à faire, et notamment ça la détourne de ses missions d'intérêt général, parce que depuis décembre 2019, donc il y a une loi qui prévoit que la convocation soit transmise de manière dématérialisée et de manière, je veux dire, par courrier, uniquement à la demande des conseillers municipaux. Voilà. Donc, si vous voulez, au regard du coût humain et financier, nous souhaitons plutôt, effectivement, que ce soit plutôt dématérialisé. Voilà, nous voulions vous faire part de cette remarque-là. Je vous remercie de m'avoir écouté, monsieur le maire. Je vous remercie, madame Calzavarin, de votre remarque. Juste... je rappelle que la police municipale est pendant toute une mandature venue passer à ma boîte aux lettres, déposer le dossier. Je trouvais cela un peu excessif, en plus de la dématérialisation que je recevais. Donc vous voyez, et dans ce contexte particulier que je ne vous rappelle pas, de juridisme pointilleux, je pense qu'il a été malheureusement nécessaire, et j'ai demandé, je remercie les services, bien sûr, d'avoir fait cette démarche, parce que c'était important d'être sûr qu'on ne puisse pas nous dire que vous n'aviez pas reçu en temps, en heure, à la minute, le papier. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, la dématérialisation permet quelque chose de beaucoup plus fine. Juste, je vous rappelle ce que j'ai vécu pendant 6 ans aussi. Donc, je vous propose pour la première commission de fixer à 15 le nombre de membres de la commission 1. Donc, je vous rappelle, finance, NTIC, économie, emploi, insertion, sécurité. Donc, 15 membres. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons donc 15 membres à désigner pour la commission 1. Afin de respecter la pluralité de l'ensemble du Conseil et compte tenu de sa composition, sur ce scrutin de liste, je vous propose 12 noms qui ont été proposés par le groupe constitué Ensemble Marmande et donc 3 noms pour l'opposition
Alors, je ne sais pas, parce que vous n'avez pas constitué de groupe, donc vous me dites individuellement si vous êtes d'accord. Et je vous propose donc de faire une liste, 12 noms donc proposés par le groupe Ensemble Marmande, 3 de l'opposition, et je vous propose ensuite de voter si vous en êtes d'accord. Et comme je suis obligé de vous proposer ce vote en liste, soit en scrutin public, donc à main levée s'il n'y a qu'une liste, soit bulletin secret. La règle étant le bulletin secret, bien entendu. Merci. Tout d'abord, je voudrais préciser ce qui s'est passé la dernière fois, parce que je crois qu'on nous a accusés de pointillisme administratif, et ce n'est absolument pas ce dont il est question. Ce dont il est question, c'est que les convocations n'avaient rien à voir avec les dossiers que nous avions à examiner. C'est-à-dire, je répète, que vous nous avez envoyé des convocations pour proposer des noms à des syndicats qui n'existent plus, à des structures dont la compétence a été transférée à l'agglomération, et on ne peut pas prendre de délibération sur des choses aussi floues. Vous nous aviez prévu à l'époque, et nous l'avions noté, 4 personnes pour les 3 premières commissions, enfin 4 personnes par commission a priori, de ce que j'ai compris. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 3. Alors là encore, les choses évoluent, et nous, on ne sait pas, en fait, sur quel pied danser et quelles sont les dispositions exactes à chaque fois sur lesquelles nous devons délibérer. Alors ça va un moment, et je crois qu'il faut vraiment que les choses soient précises lorsque les convocations sont envoyées. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il n'y a plus que 3 noms par commission. Voilà. Alors qu'il y en avait 4. Alors, monsieur, attendez, excusez-moi, c'est moi qui donne la parole, je vous remercie. Vous pouvez la demander, bien entendu. Il n'y a pas de problème. Juste, on ne va pas refaire ce qui s'est passé la dernière fois, c'est votre interprétation, on ne va pas revenir là-dessus. Juste pour aujourd'hui, je rappelle que nous sommes sur un scrutin de liste, qu'on doit représenter la pluralité de notre conseil, et je rappelle que est fixé, parce que si vous regardez le chiffre, vous allez voir que c'est ça, c'est 4 membres de l'opposition au maximum pour respecter ceci. 15 membres, vous faites le prorata, ça fait 12 et 13. Ça fait 11,82, je crois, pour la majorité, et donc le reste pour l'opposition. Vous allez voir dans ce que je vais vous proposer pour le reste que vous pouvez aller à 4. Par ailleurs, le règlement intérieur qui s'applique, que vous connaissez par cœur puisque vous l'avez fait, stipule qu'il y a les conseillers se mettent à 2 commissions seulement. Alors, dans l'esprit, je le comprends pour les élus de la majorité, c'est pour éviter qu'ils se multiplient, qu'ils ne viennent pas. Bien, pour l'opposition, qui a la même contrainte, j'y étais, je trouve qu'on aurait pu lever le seulement parce que ça permet, si on veut, de participer à plus. Mais c'est le règlement. Donc, si vous faites le calcul mathématique, vous ne pouvez pas avoir 4 représentants par commission. C'est impossible. Donc c'est 4 maximum, parce que ça représente, par rapport au maximum possible dans le règlement qui est de 17, par rapport à notre scrutin, enfin à la représentation de notre conseil, eh bien, cela donne ces chiffres que je vous propose. En l'occurrence, sur 15, ça fait 12 et 3. Je vais vous proposer 17 pour les autres. Eh bien, ça fera 13 et 4. Et ça va permettre à chacun de la majorité d'être à 2 maximum, et pour l'opposition, d'être à 2, sauf que je pense même que sur une, vous ne pourrez pas. Vous êtes 7, vous pouvez occuper 14 postes. Si on met 4 fois à 4 commissions, ça fait 16 postes. Il y a 2 postes qui ne peuvent pas être pourvus. C'était comme ça, d'ailleurs, la fois d'avant. Voilà. Tout à fait. Alors, pour vous répondre là-dessus, à partir du moment où la convocation était réglementaire, nous ne demandons pas à ce qu'il y ait de vote à bulletin secret, ce qui fait que ça ira beaucoup plus vite. Mais nous demandons une suspension de séance de 5 minutes, de manière à établir clairement et rapidement les noms que nous allons vous proposer sur ces listes communes. Alors, pas de problème, juste, vous n'avez pas constitué de groupe, vous ne pouvez pas demander de suspension de séance. Par contre, si 5 conseillers municipaux, c'est votre règlement, monsieur Benquet, c'est votre règlement, si 5 conseillers municipaux demandent une suspension de séance, j'y accède avec grand plaisir. Je vous rappelle que le règlement n'est pas valable aujourd'hui puisqu'il n'est pas encore voté. Alors, c'est tant qu'on n'a pas fait le nouveau, c'est celui qui dure, il n'y a pas de vide. Donc, vous le savez. Donc, 5 conseillers municipaux me demandent, il n'y a pas de problème. Et juste,
pour finir, je vous annonce donc les autres. Je vais proposer 17, donc 13 et 4. Ça vous permettra de réfléchir sur l'ensemble des commissions, si vous voulez, pour ne pas faire de suspension à chaque fois. Donc, alors, je pense que vous êtes 5 à me demander. Oui, il suffit de lever les mains, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour chaque commission le nombre La suite. Alors, la première, 15 membres, 12 et 3. Et pour les trois suivantes... Alors, pour la suivante, pardon, excusez-moi. Pour la suivante, c'est 16 membres et ça fait donc 12 et 4. 17 membres, 13 et 4. 17 membres, 13 et 4. Voilà. Et donc, suspension de séance accordée, je vous remercie.
Nous allons reprendre donc pour la commission 1. Vous pouvez me donner trois noms, alors, je vous prie. Oui, donc Monsieur Daniel Benquet, Monsieur Pascal Portman et Monsieur Stéphane Francis. Bien, donc je vous lis la liste en entier et donc une seule liste déposée. Donc commission 1, Charles Sillière, Françoise Verdier, Karen Nosmas, Pierre Ferrit, Maude Caruel, Stéphane Blanchard, Fatima Figuès, Séverine Chastain, Noélie Reillemer, Sophie Borderie, Jean-Claude Bourbon, Anne-Laure Tarascon, Daniel Benquet, Pascal Portman, Stéphane Francis. Il n'y a qu'une liste de déposés. Donc normalement, il n'y a pas de vote même. Donc en tout cas, bulletin secret. Donc personne n'est contre. Pas d'abstention. Je vous remercie pour cette première commission. La deuxième commission, donc urbanisme, environnement, travaux, logement, 16 membres. Vous me donnez 4 noms, ou 3, en fait, comme vous voulez. 4 noms. Donc, monsieur Jérémy Prévost, madame Valérie Perali, madame Marie-Catherine Balraud et madame Martine Calzavara. Commission 2. Donc, je peux vous donner la commission numéro 2, urbanisme, environnement, travaux, logement. Michel Millac, Dominique Martin, Séverine Chastain, Karen Nosmas, Alain Pascal, Bernard Boulito, Didier Dubrana, Maude Caruel, Stéphane Blanchard, Valérie Guilbeault, Françoise Verdier, Sophie Borderie, Jérémy Prévost, Valérie Perali, Marie-Catherine Ballereau, Martine Calzavara. Une seule liste. Qui est contre ? Abstention ? Je vous remercie. La commission numéro 3, culture, patrimoine, animation, sport. Oui, donc 4 noms. Monsieur Daniel Benquet, madame Valérie Perali, madame Marie-Catherine Ballereau et monsieur Stéphane Francis. Donc, pour la commission numéro 3, culture, patrimoine, animation, sport, Charles Sillière, Emmanuel Marchand, Muriel Figuera, Alain Lebris, Dominique Martin, Anne-Laure Tarascon, Jean-Claude Ferry, Patrick Cardois, Bernard Boulito, Laureline Roch, Alain Pascal, Didier Dubrana, Christian Sorin, Daniel Benquet, Valérie Perali, Marie-Catherine Ballereau, Stéphane Francis. Une seule liste. Déposé, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie pour la commission numéro 3. Donc, commission numéro 4. Oui. Donc, 17 noms, vous me donnez 4 noms. Voilà, je vais vous en donner 3. Oui, d'accord. 3. Donc, monsieur Pascal Portman, monsieur Jérémy Prévost et madame Martine Calzavara. Donc pour la commission numéro 4, social, éducation, nouvelle citoyenneté, jumelage, Noélie Reillemer, Valérie Guilbeault, Fatima Figuès, Patrick Cardois, Laureline Roch, Jean-Claude Ferry, Christian Sorin, Muriel Figuera, Emmanuel Marchand, Jean-Claude Bourbon, Alain Lebris, Michel Millac, Pierre Ferrit, Pascal Portman, Jérémy Prévost, Martine Calzavara. Une seule liste déposée. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Les 4 commissions sont donc constituées. C'était le point donc à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous pouvons passer, si vous le souhaitez, aux questions diverses. Y a-t-il des questions diverses ?
Non. Alors, j'aurais une remarque et une question diverse. La remarque, c'est pour Madame Calzavara. Je crois que vous avez appelé un agent qui est en arrêt de travail actuellement. Je vous demanderai d'éviter. Parce que quand un agent est malade, 85 jours d'arrêt, c'est une maladie sérieuse. Je pense qu'il faut éviter. Alors, ma question, elle est pour Monsieur Daniel Benquet. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'ont été validés les procès-verbaux des conseils municipaux des 25 mars et des 11 février 2019 ? C'est normal, ils n'ont jamais été validés. Je dis ça parce qu'au dernier conseil, j'ai compris... je l'avais vu il y a quelques mois déjà. Mais bon, je m'étais dit que c'était une maladresse. Mais comme la dernière fois, vous m'avez expliqué qu'en matière juridique municipale, vous étiez pointu, je me suis posé la question. Alors j'aurais une autre question. Il n'y a pas eu de PV, mais il y a eu par contre un dépôt des délibérations du conseil municipal qui sont passées au contrôle de légalité d'ailleurs. Pour celle du 25 mars... Est-ce que vous pouvez... J'ai une question. Pourquoi ce n'est pas conforme au vote qui a eu lieu en session ? C'est-à-dire qu'en session, heureusement, c'est enregistré. Alors juste, je rappelle que j'ai essayé de retrouver cela sur le site de la ville de Marmande. Et lorsque vous voulez cliquer sur procès-verbal pour le 11 février 2019 et le 25 mars 2019, vous ne pouvez pas avoir de procès-verbal. C'est normal, il n'y en a pas eu. Et pourtant, il y a une délibération. Et dans cette délibération sur le budget, vous vous souvenez sûrement du vote de l'opposition, du moins du vote du groupe de Même Armande que j'animais. J'imagine, vous étiez moqué. Donc je vous demande pourquoi vous nous avez marqué votant pour. Monsieur Cerruti, qui par respect et amitié ne voulait pas voter contre le budget, s'est abstenu. Mais nous, on est marqué votant pour, sur un certain nombre, l'essentiel d'ailleurs, des votes. Donc je ne comprends pas pourquoi. Alors, ça s'appelle une falsification. Je vais essayer de vous répondre. Ce n'est pas moi qui rédige les procès-verbaux, ce sont les secrétaires avec l'administration. Et s'ils n'ont pas été validés a posteriori, je ne vois pas, ils ne sont pas valables aujourd'hui. Donc je ne sais pas... Daniel Benquet, vous lisez toujours ce que vous signez. Vous l'avez dit la dernière fois. Oui, mais moi, ce n'est pas moi qui rédige ça. Donc je ne vais pas vérifier chaque vote avec la vidéo. Vous entendez ça quand même. Monsieur Benquet, vous avez lu forcément ceci. Vous ne pouvez pas avoir été ironique au point où vous l'avez été et me mettre votant pour nous mettre votant pour tout un tas de dossiers. Donc c'est pas possible. Donc pourquoi vous avez laissé passer un truc comme ça ? Je contresigne la. Qui a été secrétaire de séance ? Mais nous n'avons pas le PV. Non, donc, mais qui a été secrétaire de séance ? Il y a bien un secrétaire de séance sur ce PV. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de PV. C'est ça le problème, vous voyez. Mais alors, ce jour-là, puisque vous avez tout décortiqué, vous savez qui était secrétaire de séance ce jour-là ? Bon, j'ai vérifié les votes parce que c'était très long, vous savez, eh bien non. Ben nous en reparlerons quand vous aurez le secrétaire de séance, parce que je ne sais pas qui a été secrétaire de séance. Vous n'allez pas changer le secrétaire de séance, le secrétaire de séance, c'est qu'un secrétaire. Monsieur Benquet, le secrétaire de séance, c'est celui qui prépare ces éléments-là. Oui, mais celui qui signe et qui dit tout avant de signer, c'est vous. C'est ce que vous avez dit, c'est vous. Oui, bien sûr, mais je ne vérifie pas le prévu. Je vérifie la forme. Je vérifie la forme, pas le fond. Le fond, c'est le secrétaire de séance qui l'écrit. C'est comme non, ça, c'est la, non, non. Mais c'est la réglementation. Vous ne déchargez pas, M. Benquet. Non, vous ne me décharge jamais. Vous avez Monsieur le maire, est-ce que vous permettez qu'on réponde quand vous posez une question ? Si vous voulez, si voilà. Vous voulez. Donc, il y a le fond et il y a la forme. Moi, je juge la forme sur un PV. Le fond, ce n'est pas moi qui fais le PV. C'est le secrétaire de séance avec l'administration. Donc, lorsque nous aurons le secrétaire de séance, nous en reparlerons, si vous voulez bien. Je reprécise quand même que vous avez signé des votes. Donc, vous saviez pertinemment que ce n'était pas les bons. Moi, ça m'a sauté tout de suite à l'esprit. Alors, pourquoi j'avais demandé ça ? Parce que, justement, je voulais les revoir qui avait voté comment à ce moment-là. J'avais souvenir, mais bon. Et c'est comme ça que je me suis aperçu, il y a quelques mois, qu'il y avait un petit manque. Je pensais que c'était une maladresse. Mais depuis le dernier conseil, j'ai compris que tous vos actes sont tout à fait pensés et suivis. Et ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que je vais être obligé de retourner parce que maintenant, je suis responsable de cela. Donc je vais retourner voir la préfecture pour faire corriger. Voilà. Et la question que je me pose, c'est y a-t-il plusieurs falsifications dans les archives qu'il va falloir que je fasse corriger ? Parce que c'est un petit peu un problème, quand même. Voilà. Écoutez, nous verrons quand vous me direz qui a été secrétaire de séance. D'accord ? Voilà. En tout cas, voilà. Donc, quand on est très au point juridiquement, il faut faire attention d'avoir été vraiment très au point. Voilà. Ouais, ben, la preuve que si. Madame Calzavara.
Madame Calzavara. Oui, pour ce qui me concerne, j'ai pas compris votre interpellation. Vous m'avez interpellé pourquoi, monsieur Ockeli? Non, juste, madame Calzavara, c'était vous avez appelé un agent qui est en arrêt de travail. Voilà, bon, il faut éviter de le faire, c'est tout. Moi, j'ai appelé un agent qui est en arrêt de travail? Oui, oui, on en parlera en privé, si vous voulez. Oui, il faut éviter de le faire, voilà, c'est tout. Ah, bon, d'accord. Peut-être. Il n'y a pas d'autres questions diverses, la séance est levée. Pas d'autres questions? Séance levée.